Sachez leader. Ils sont comme ça, bel et bien, à Monango. Et c'est la question de la UFO. Ça vous est passé par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bonsoir mes téléspectateurs, c'est encore avec beaucoup de joie, d'amour, de gaieté que nous sommes ici avec vous tous les vendredis dès 17h et maman Monica est super contente car c'est le déballage qui commence à l'instant. Bonsoir et bienvenue à toi maman Monica. Voilà, bonsoir à tous nos téléspectateurs, tous les téléspectateurs du canal de Movies et la suite du déballage. Je profite comme ça l'occasion pour dire bonsoir à quelqu'un qui aime particulièrement cette émission, il s'appelle Prosper Olomo. Il m'a dit de vous dire bonsoir parce qu'il adore. Il adore le déballage. Ah, donc il n'aime pas jamais les habits qui sont de la boutique. Et pardon, regarde le truc pour la boutique. Il a seulement dit qu'il aime les boutiques. Ah, bonsoir, mon frère. Il s'appelle Prosper Olomo. Olomo. Voilà. On fait comme ça un gros coucou à Prosper qui est en train de nous regarder également, à sa petite famille. Ouais. Moi que t'aimes si. Oui, je suis là. Oui, bonsoir et bienvenue à toi. Ok, également. Bonsoir également à vous, Stevia Noumissi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la marque Leader. Qui est toujours scotché? Scotchez-vous comme le monsieur si qu'on dit qu'il regarde le déballage, hein? Car c'est ça qui vient de commencer. Je dis bonsoir à tout le monde et on est ensemble comme en exemple, on se ressemble. Voilà. La joie est sur ce plateau car nous avons l'honneur d'accueillir la première dame du Cameroun qui est sur ce plateau avec la de joie. Qui? La première appelle ma mère. Chantou! Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a créé une première dame. Première dame, pour la première fois. Pas avec toi, ton faux français là. Ne parle pas celle-ci aujourd'hui. Non, c'est fini. C'est-à-dire, arrange-toi. Parce que maintenant, là, ta coiffure n'a pas éliminé que bon. On va prendre ça avec faute. On va dire à la première dame que tu étais bon fou l'année passée et puis on vient te soigner. Oui, mais non, ça va. Arrange-toi à bâtir, non. Comme ça ne va pas, il me soigne. C'est ça que j'ai dit. Voilà. C'est pour ça qu'il faut te calmer parce que la première dame n'est pas trop. Elle n'est pas tous les bruits. Voilà. Non, non, je. Chers téléspectateurs, je vous rassure que je serai tranquille, posé. Calme, si je manque de l'argent, ça va confirmer. Si je manque, monsieur Colin, c'est watch, on va respecter. Voilà, bonsoir et bienvenue à vous, mon excellence. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mes enfants. Bonsoir, madame. L'émotion peut seulement me renverser. Vraiment, je suis très contente. La première dame, si un jour on va la recevoir ici. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un jour elle viendra. J'ai grandi avec la chance. Je disais tout. Est-ce que veut voir la femme d'un jour? Aujourd'hui, je l'ai rencontrée. Et elle est à côté de moi. Elle a côté de toi, nous aussi. Comme on aime bien ici entendre parler. Me voici donc à Douala. La première dame. Voici ce qu'on va faire. Hein? Oui, on va laisser la première dame parce que c'est quelqu'un de noble et beaucoup calme. On va prendre une petite transition parce que ça bouge. Il y a trop de bruit ici, ça frustre notre invité. Ouais. C'est quand même la première dame qu'on reçoit. Ah, oui. On fait une petite transition et puis on vient juste après pour la prière du jour. Bel et bien sur la chaîne Leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monango. Et c'est la question de la UFO. Ça vous est passé par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau, maman Monica, ma que t'aime, si je vous laisse pour la prière du jour. Voilà, vous savez, on ne commence pas une émission sans prier Dieu, parce que c'est Dieu qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne tout le souffle de vie, c'est lui qui permet que le matin se réveille. Amen. Voilà. Dans l'émission de déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia. Dans l'émission de déballage, alléluia, oh. Il y a le sourire, oh. Alléluia. À l'émission de déballage, alléluia. Il oh. Y a la cafouille, oh. Alléluia. Oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Jesus, what a name. The name of the Jesus. Amen. God go bless you today. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur. De la terre. Now don't create them si tu as avec le camp même. Seigneur, nous voulons te donner ces femmes qui envoient les. Voici les vacances, Seigneur. My God, that is of the vacances, il donne son nom. Seigneur, nous voulons te donner ces dames qui envoient les enfants de 6 ans à 10 ans pour aller vendre, Seigneur. My God, maman, il donne ton c'est comme Guy ou Pikin, hein. Il garde 6 ans, faut 10 ans, on dit envoie, faut marcher, vendre quoi. Seigneur, que ces femmes-là aient peur parce que maintenant il y a beaucoup de voitures en route. Seigneur. My God, say on the left that mama, I don't go envoyer l'enfant vendre, say, mets-toi go chemin, pim. Seigneur, parce que ces enfants ne peuvent pas vendre jusqu'à payer leur scolarité, Seigneur. My God, on the see that périphère for en route.
d'ici dans le plateau, il get 4 œufs, il dit go for vendre, my God. Afin que les mamans la prennent conscience, Seigneur, nous te les donnons, Seigneur. Wallahi bilahi bin subun lahi. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now don't claim them si tu avais le kangol. Seigneur, voilà les pluies qui sont revenues. Oh my God. Les parents qui sont là, qu'il y a le trou dans ta maison, l'autre vient te trouver jusqu'à dans ta chambre. Quand tu ne veux pas, tu veux réparer, dis que non, ne répare pas. Oh my God, dans Lyonnais, il donne ton sang quand puis il tombait sur la maison, il restait dans la chambre puis il trouvait. C'est avant que le bailleur là même voit qu'il ne veut pas d'abord le ton, avant de venir nous demander l'argent de location, Seigneur. Oh my God, bébé, je suis une délinga, je ne suis pas même fier, je ne suis pas non, je suis pas Jésus Christ. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now don't create them si tu avais le camp. Seigneur, nous voulons te donner les femmes célibataires. Oh my God, I can't give you cocorico and macalomji. Célibataire parce que en ce moment, c'est le froid qui va être grave. Oh my God, c'est où il est entré dans la chambre à deux, ou ressorti à trois à cause du froid, my God. Les femmes mariées aussi, excusez un peu les femmes célibataires, Seigneur. C'est dans femmes mariées, excusez vos femmes célibataires, my God. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans les missions de balage, alléluia, oh. Y'a le sourire, oh, alléluia, oh. Dans l'émission des balades, alléluia, oh. Y'a la joie, alléluia, oh. Oh, y'a la joie, alléluia, joie. Quand on l'émotion, vit, tu sais, quand tu es trop contente, surtout que je suis à côté de la première dame. Donc, j'ai le droit de la première dame du Cameroun. Mais bien après ça, il faudrait aussi que... On invite sa majesté. Il faut pas qu'on invite qu'il a primé. Ah oui, 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 oui. Attention. En passant, madame a laissé monsieur où? Monsieur est tombé au puits. Okay. Voilà, on l'a si bien annoncé en introduction. Aujourd'hui, nous recevons Blanche, de son vrai nom, Gandier Xavier Zaveri, c'est ça? C'est ça. Zaveri La Blanche, elle est artiste, comédienne et également humoriste. Vous l'avez connue dans la série One to One avec Fingon Tralala et Tanya Condom. Mmh, après son accident, il y a de cela un an, elle a fait le buzz dans l'émission à succès Riagogo. Oui. Et elle se démarque des autres avec son look à la Chantal Biya. Vous avez pu constater la carrure de la dame. On va prendre l'élément qui illustre notre invité et puis on revient juste après pour l'accueillir vraiment. Parce que ce qu'on faisait là tout à l'heure... C'était du blablabla. Blablabla. Petite transition avec le concours de la réalisation. Avec M. Colesi Wanchom, on met le transition sur la chaîne leader. Vous devez passer par derrière là, on vient maintenant par devant. Ah, c'était super. Chantou, tu étais... Non. Nickelement nickel. C'est qu'avant, il fallait accrocher le téléphone pour qu'on voyait que c'était le téléphone. C'était comme le c'était un collier. C'est pas n'importe quel genre de téléphone. Hein. Et le parfum de Kings est là, non? Le parfum de Kings est là. Moi, que t'aimes s'appeler ça le pape. Oui, c'est le parfum de Kings. Alors, voilà. Bonsoir et bienvenue à vous, Maman Chantou. Bonsoir, Monica. Mmh. Ouais. Bonsoir, Marc et Tamsi. Bonsoir, bébé. Comment tu vas? Hey, c'est pas ton bébé. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Dieu Belois. Quand elle même bébé non. Et bon, et j'ai failli dire madame Nubis là. Gabonaise. C'est tout simplement Stevia Nubis. Non, c'est toujours la gabonaise, c'est son bonbon. Moi, quand tu l'aimes pas, elle t'aime. Non, comment ça, je ne l'aime pas, je l'adore, c'est ma bonbon. Salut là alors. Salut. Un coucou comme ça à ma bonbon officielle. Hein. Voilà. Madame Nubis la gabonaise. Tu m'as guéri. Ouais, je pense que depuis la semaine prochaine passée, on dit qu'elle se sent bien. Elle sent bien. On a rendez-vous là-bas très bientôt. Mm. Alors, c'est quoi l'histoire de votre nom, La Blanche? Oui. On voit, vous n'avez pas fait comme certains humoristes. Vous avez gardé votre nom. Oui, en fait, La Blanche, c'est d'abord mon prénom. Mm. Et quand Tain Kondo m'a rencontré, c'était dans une chaîne de radio, oui. De chaîne internationale. Et pour l'émission, elle existe encore, monsieur existe encore, Bagatelle. Il est venu me rencontrer pour que je fasse quelque chose avec lui. Il a dit, je vais te tenir à la main. Alors, quand il a fallu qu'on tourne, il m'a dit, bon, je te donne 3 jours pour que tu puisses avoir un nom pour tourner. Je suis rentrée après 3 jours. Je me suis gratté les cheveux. Il dit, le père, je n'ai rien trouvé. L'inspiration n'est pas. Oui, je n'ai pas. Il dit, bon, comme tu t'appelles,
la blanche, tu seras ma blanche. Oh, voilà. La fille blanche. Donc, de ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes blanche. Vous êtes blanche, même non. Vous êtes blanche. Ça se reflète. Elle est brune naturellement. Oui. Elle n'est pas comme Stevia Numbissi. Qui est également noire naturellement. Oh là là. À quel moment avez-vous décidé, Blanche, de vous lancer dans la comédie, dans l'humour? Oui, je dis grandement merci d'abord à mon professeur d'histoire, Jo, M. Canabrian, qui a vu mon talent depuis l'école, depuis le secondaire. Oui. Il a déniché ce talent en 1994, où j'ai fait une belle scène qui était vraiment très beau, où on m'appelait Madame Atamba. Jusqu'au dire ce nom est calé. Donc, tu ne veux même pas te marier, Blanche. Parce que la madame t'appelle la madame avant même madame, en 94. Oui, c'était en 94. Il a vraiment vu ce talent en moi. Et moi, je le faisais comme ça. Je ne savais pas ce que ça. Ça pouvait donner. Oui. Et c'est là où, d'abord, je vais dire je suis notaire de formation. Mm. Donc, tu vas à la notaire. De formation. Non, pas de quoi. Non, je suis notaire de formation. Ah. J'ai eu. Donc j'ai fait l'option cuisine. Donc, non, pas cuisine. Mais bon, quand à notaire, on t'apprend toutes les... Après, maintenant, oui, tu te spécialises. Maintenant, oui, je suis dans accueil et réception. Pour ça que je suis trop gentil. D'accord. Donc, ce n'est pas ça, c'est que tu n'es pas toi gentil. Alors, je travaille dans un hôtel de la place et c'est où j'ai fait la rencontre de Nathan Dewo, qui est devenu un chanteur. Makalapati, Kamnogo, Manjanga. Et il y avait une autre aussi, Caillou. Bon, oui, Caillou, à l'époque. C'était en 2001. Il vient tellement, j'étais belle, bien bâtie. Tu es toujours belle, hein? Non, à l'époque, mes seins étaient pointus comme le capuchon d'un Big Bleu. Oui. Et voilà, ma sirène, que non, nous avons un rôle pour toi, ça peut aller avec ça toi. Cadre, ça cadre, exactement. Ça peut cadrer, oui. Ça peut donner. Ils m'ont donné le scénario tellement, j'étais pas trop. C'était pas ça. Je me suis quand même lancée. Ça a donné, on allait faire des enregistrements et tout, ça a donné. Mais là où vraiment je me suis en donné, et que non, c'est quand je commence avec Tan Ikonom et Shingon. Mmh. Oui. Dans les one-to-one oui, alors. Oui. Uh-huh. Et là où j'ai. Mais ceux qui m'ont tenu la main, qui m'ont appris, m'ont amené jusqu'à l'école de formation, c'est Kamnogo à Kalapati, Manjanga. Oui. Donc, ils arrivent quand toi, tu t'es même un prêt à former. Oui, oui. Voilà. Mais c'est eux qui t'ont révélé au grand public. Malgré que j'allais avec un temps et condom, mais eux, de temps en temps, ils m'amenaient même dans les maisons de production et tout. Ils m'enseignaient jusqu'à l'école. Alors, racontez-nous votre toute première scène. Oui, ma toute première scène en humour, bien, parce que en humour. Je ne vais jamais oublier cette scène. Hein. C'était vrai. C'est là le jour où mon téléphone sonne et on me dit tu dois prester. Je n'ai pas su qui. J'étais intéressée au petit du qu'on devait me donner. Oui. On me dit oui, c'est dans telle salle. Et on me dit le présentateur c'est Conseca. Je dis hey. Ça veut dire si j'ai ce niveau. Le grand Conseca. Conseca me présente. Je vais me placer comment? Ma position sera comment? Je dis allons. Il y avait un peu de craquement. Il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, j'arrive, je trouve qu'il y avait les militaires, les gendarmes, les policiers, il y avait tellement la garde. Quand j'arrive, on dit oui, c'est elle qu'on attendait, c'est elle, Chantou. Mais j'ai dit, on m'attend. On dit, passe. Comment tu as quand même Chantou? Quand j'ai d'abord vu la garde, j'ai dit, ah, c'est fini, c'est alors aussi qu'elle veut partir. Et mes enfants, et mes parents, je vais faire comment, j'ai bien tout. J'ai bien dit à faire de Chantou, c'est comme à lancer. Et je vous rappelle que c'est le travail de casserole. Ah. C'est lui qui m'a initié, qui m'a dit que non, tu peux faire Chantou. Mm. Il a initié beaucoup de personnes. Oui, c'est casserole. Casserole, monsieur casserole, on en a que le salut. Bonsoir mon frère. Moi, je suis passé par là. Oui, c'est casserole, je me rappelle, c'était en 2006. Je suis allé les accompagner, je jouais, je ne rêvais même pas que je vais me faire le moins jour. Ils ont joué, c'était beau, je ris. Après, je viens dire, tu ris quoi hein? Tu montes dedans, tu sais pas que tu peux imiter Chantou. Regarde d'abord comme tu as la face comme elle. Là où je me suis mis maintenant, j'ai commencé à copier, à regarder tout ce que Chantou faisait. Oui. Comme pour la petite histoire, comme je disais, je continue. Alors j'arrive, on me présente, on sait qu'à me saluer. Oui, Chantou, oui, tu vas jouer. Il me dit, tu vas jouer, mais devant et ton fils. En plus. J'ai dit, oh mon Dieu! J'ai dit, non, attends. J'ai dit, Seigneurita. Mon père, je n'aime pas les blagues, le mauvais goût. Parce que chez nous, quand tu as quelqu'un que tu as bouche, sans ce que tu l'insultes. Pardon. Devant Eto, fils, il dit oui, devant Eto, fils.
La légende. La légende. Je fais d'abord le signe de croix, je lève les yeux au ciel. Je dis, mais dis, c'est sa petite soeur qui se marie. Il t'a pas galvanisé parce que c'est son rôle, hein. Il aime galvaniser. Oui, oui, oui. Ok. On il a vu, comme je me suis assise, j'ai regardé, que, hey, je fuis ou bien je ne fuis pas, parce qu'il y avait tellement, et il y avait des ministres dans la salle, c'était, il y avait le monde. Quand on me présente, je joue, c'était beau. Ouais. L'agent est tombé, mais oh. Un agent est arrivé où lui-même s'est levé, il a donné. Je ne vous dis pas la somme. Qui nous a été? Mais bien sûr. Ça veut dire que tu vas vous être là-bas quand? Je ne sais pas. Oh. Et, en tout cas. J'ai tremblé. Oui. Même sorti, quand j'ai fini la scène, même sorti m'a dépassé. Les gens ne sont pas. Tu as vu comment t'agresser, non? Non. Les gens ne pourront pas m'attendre. Pourquoi? Parce que je suis restée sur place. J'avais encore deux mariages à faire. Je suis allée dans aucun mariage. Qu'est-ce que vous avez fait des elle était. Non, j'ai éteint mon téléphone. Je tremblais. Attends, il y a la qualité d'argent, non, maman? Quand tu touches, tu ne veux plus bouger pour aller quelque part. Parce que je me suis vue en 10 minutes, tu as ce genre d'argent. Viens, viens. Je n'ai rien compris. Ne dis pas la somme, maman. Mais non, je parle pas. Non, moi, je vais parler là-bas. La première fois que je trouve Madame Noumissi la Gabonaise, c'était à Libreville. Mm-hmm. J'étais en concert avec Fally Poupa. Quand j'arrive là-bas, quand j'ai pressé la matinée, elle m'a laissé la verser là au moins 1 500 000. Je n'ai plus parlé. Après 2 minutes que j'ai parlé, je vais encore prester quoi? Je vais jouer quoi encore? Même c'est toi, maman, tu vas encore jouer quoi? C'est pas toi l'invité. Ah oui, ça va. Je ne vous dis pas que. Je chauffais tellement que si tu passais, ne serait-ce que le haricot. Ça a traumatisé la femme de le haricot ne pouvait cuire. Avec le plantain ou le macabre, ça pouvait cuire. Mais... Je suis restée sur place jusqu'à. Je suis quittée là à 7 h du matin quand tout le monde partait. Donc quand je me foulais comme ça, je dis. Elle m'avait traumatisé. C'est vrai que c'était frustrant, mais c'était un très beau souvenir. Oui, ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, je... Tu l'es porté dans ton estomac. Et comment vous vous sentez dans la peau de Chantou? Non, dans la peau de Chantou, je me sens bien. Pourquoi? Parce qu'on m'accueille. On ne m'a jamais rejeté quelque part. D'abord, c'est une femme aimée. Hein, beaucoup oui, même. On ne m'a jamais... Une femme de cœur, jamais, non. On ne m'a jamais rejeté. Et je ne peux pas te dire, c'est d'abord une dame que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Oui. Parce que pour imiter quelqu'un, il faut l'aimer. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je rêve de Chantou, je vous dis en vérité. Je rêve même. Parfois, il rêve juste ce matin de cause, alors qu'on ne s'est jamais vu. Ce mal à télé. Ça va arriver. Ça va arriver. Mal à télé. Ça va arriver. Et l'émission des balances, c'est une émission porte-bonheur qui ouvre la porte à chacun et chacune. Comme elle parle qu'elle aime Maman Chantou, vous voyez l'émission aussi. Parce que vous et moi, nous causons sur WhatsApp. Tout ce qu'elle a dit là. Voilà, il y a plein de téléspectateurs qui adorent cette émission et qui vous adorent également. Mm-hmm. Ils ont réagi sur WhatsApp en faisant des mini-vidéos pour vous poser certaines questions. Mm-hmm. Donc avec le concours de la réalisation, on va prendre les questions des internautes et puis on revient juste après pour les réponses de notre invité, une par une. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo des téléspectateurs à la maison? L'équipe de balage, nous sommes des lumières d'Orcam. Elle, c'est ma soeur Kimora et moi, Medina. Bonsoir, Tata Blanche. J'aimerais te poser une question. Si tu as des enfants, si oui, qu'est-ce que vos enfants en pensent de votre métier? Monica, je t'aime. Bisous, bisous. J'aimerais toute longue vie à des balages. Dans l'émission des balades, alléluia oh, il y a la joie. Alléluia oh, dans l'émission des balades, alléluia oh, il y a la joie. Alléluia. Longue vie à maman Monica, longue vie à tata Stelia, longue vie à tata Blanche, longue vie à tonton Marc et Tansi. Bisous, bisous. Hello. Mes enfants, je vous adore. Ouais, ouais, je sais. Ouais, c'est voilà des comédiens déjà sur nous. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous moi, je veux voir vos parents. En fait, je suis le manager de sa maman. Ah, d'accord. Un coucou comme ça à Kimora et à Medina. Ce sont les jumelles Tonkam, comme elles l'ont bien dit. Ouais. Enfin, un coucou également à sa maman, maman Raïssa Miangé. Voilà, il faut que Blanche réponde à la question. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tes enfants pensent de...
Est-ce que vous avez des enfants? Si oui, oui, qu'est-ce que vos enfants pensent de ce que vous faites? Oui, oui, j'en ai. J'ai d'abord la plus grande. Le premier jour qu'elle m'a vu jouer, elle a coulé les larmes. Oh. Wow. La plus grande. Elle a pleuré, elle dit, maman, j'entendais seulement, maintenant je te vois en action. Ah. Pleurer. Super. De joie. Et j'ai aussi également deux petites qui sont comme ces deux-là. Mmh. Elles connaissent, hein, quand je veux sortir. Elle dit que tu as trois enfants. Non, oui, elle connaît, oui, trois filles. Il y a le chat, elle connaît que le chat, c'est le chat de Chantal Biya. Elle ne doit pas toucher. Ouais. Quand elle me voit laver la bille, maman, tu laves déjà la bille de Chantal Biya. Même à la télé, quand elle voit déjà le président de la République passer, même en image, maman, voilà ton mari qui est à la télé. Ça, c'est bien. Et à la maison, quand par exemple, leur père veut parler un peu, il faut dire, hey, papa, on ne parle pas comme ça à la présidente, c'est maman Chantal Biya. C'est bien, c'est bien. Oui, j'aime. Je pense que Kimo et Medina ont été servis, voilà. Vous m'avez ramoussé. Alors, on va prendre la prochaine vidéo, toujours d'un internaute, et puis on revient juste après. Coucou, salut à tous les chroniqueurs de l'émission Déballage. Moi, c'est Nadine Obissi, je vis à Douala. J'ai deux questions à poser à Blanche, la comédienne. La première, pourquoi est-ce que Blanche a opté pour le style de la première dame? Et la deuxième, c'est est-ce qu'après l'accident de Blanche, elle a été soutenue ou pas par ses proches? Merci. Belle question. La première question, j'espère que j'ai déjà répondu en disant que c'est notre grand frère Casserole qui m'a vraiment mis sur le chemin. Et quand il m'a mis sur le chemin, j'ai aimé jusqu'aujourd'hui. Oui, la n'arrive même pas à quitter sur la peau de la première dame. Voilà. Apparemment, c'est également mon homonyme parce qu'elle a dit Nadine Noubissi. Noubissi. Voilà, deuxième question, c'est est-ce qu'après l'accident, vos proches vous ont soutenu? C'est ce que Nadine aimerait savoir. Elle m'a rappelé ce fameux jour du 19 mai 2019. Je me rappelle, j'ai appelé Monica, j'ai dit, ma soeur, mon pied est resté au goudron. Elle dit, quoi? J'ai dit, voici mon pied. 2018, tu as dit. 2018, oh. Aïe, aïe, aïe. 2018, elle dit, voilà mon pied qui est resté au goudron. J'ai pleuré ce jour. Oui, elle a commencé à l'arriver, tout le monde. J'ai eu de l'aide, je ne sais pas, moi-même, je me suis demandé, j'ai demandé que mais c'est toujours moi. L'aide, les aides venaient de partout. Tous les comédiens humoristes se sont mobilisés pour que je sois debout. Toute ma belle famille s'est mobilisée pour que je sois debout. Les amis, les fans. Je profite même de dire merci à Massa Yakov qui a organisé quelque chose lors de Riagogo. Franchement, c'est un gars bien. Il est gueulard, mais il est un gars bien. Oui, c'est pour cela que parfois j'ai des. Moi-même, je vais t'insulter. Oui. Attends. J'ai souvent des problèmes avec les gens. Quand on parle de Massa Yakov, il dit que non, vous ne savez pas. Il parle, mais. Il parle, mais il a un cœur. Il a un cœur en or. Ah non, ah non. Le King Massa Yakov a un cœur en or. J'ai été beaucoup soutenu. Si ce n'était pas le soutien de tout le monde, des amis, des collègues, tous les fans. C'est que je ne suis pas debout. Vraiment pas plaisir pour ça. J'en profite également pour dire merci à tous mes frères, à tous les humoristes, tous les comédiens. C'était vraiment. Et tous les fans, hein? Oui, et à tous travers le monde, parce que beaucoup de déjà personnes. Déjà, même avec un message de courage, c'est déjà une aide. Oui. On va prendre la prochaine. Non, sauf qu'à ce moment-là. Le courage était bien, mais à ce moment, il fallait également de l'argent. Hein. Il fallait beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci à monsieur, hein, parce qu'il a soutenu. Je ne peux pas oublier. Mais tu as arraché ça dans ma bouche. Je ne peux pas dire merci, un merci pratiquement à monsieur Jifak Adrien. Les gars, ma Massakov disait toujours, je respecte le monsieur-ci. Jusqu'à présent, quand il le voit, je respecte ce monsieur. Allez, on fait un coup de chapeau un comme ça, monsieur. Coup de chapeau à mon frère Bamileke qui a pu le quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine vidéo? Une autre question d'un internaute ou si on me signale que c'est fini de l'autre côté. Mais je pense qu'il y avait encore une vidéo. Coucou à tous les présentateurs et présentatrices de l'émission Déballage. Un coucou particulier à Tantine Stevia. Moi, c'est Kevin depuis Bibanda. Ma question adressée à Tantine Blanche ce soir. Coucou à tous les présentateurs et présentatrices de l'émission Déballage. Un coucou particulier à Tantine Stevia. Moi, c'est Kevin depuis Bibanda. Ma question adressée à Tantine Blanche ce soir est de savoir quels ont été ses objectifs à imiter le look de la première dame. Et est-ce qu'une fois après avoir imité le look de la première dame, ses objectifs ont été totalement atteints? Si oui,
Qu'elle nous explique, Messi. Elle parlait si mes objectifs sont déjà atteints. Non, je n'ai pas encore rencontré la première dame. Et après quand cette émission, la semaine prochaine, vous allez la rencontrer. Quand, je vais embrasser ma mère que je rêve tant. Tu m'as dit que... Je vais dire ça va moi maintenant. Moi, je suis d'accord avec toi, Blanche. Je vais dire ça va déjà. Pour le moment, ça ne va pas. C'est dans un mois, elle ne nous appelle pas. Parce qu'en 2017, j'ai pensé que quand j'ai eu le Canada, j'ai dit, mais attends, il fallait que Blanche soit ici, qu'elle soit en face de la première dame. Face. Et que je dise à la première dame, voilà ton sosie. Ton sosie. Vous t'es dit, mais où est le pauvre la main là? Elle devait aller là-bas, Yaoundé. Mais c'est, il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard. C'est un proverbe indien qui le dit. Et le temps de Dieu, c'est le vrai temps. Ah, oui. Tout à fait. Il y a une autre internaute qui a réagi, Ashley Monka, mais on n'a pas pu diffuser sa vidéo puisqu'on avait déjà répondu à la question bien avant. Donc, on va prendre la prochaine vidéo qui illustre notre invité et puis on revient juste après. Coucou comme ça à Ashley. Ashley Monka, un gros coucou. Bilatérale, elle est sexuelle et elle n'a pas de maladie sexuellement transmissible. Justement, je ne pouvais pas passer au Cameroun, comprendre que la première tout n'est pas passé, tout est de passage. De passage, voilà. Ensemble, nous allons accueillir la main sur le cœur. Elle s'appelle Chantou, Madame Chantou, première dame. Alias. Voilà, on vous a annoncé sa maladie, c'est pas une blague. Je vais soulever, tu m'excuses. Ce n'est pas une blague. Alors, avec la permission de la première dame, asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Oui, allez, asseyez-vous que tu t'asseyes. Parce que la situation. Alors, la situation du pied là, c'est piétal. Alors, mesdames et messieurs, ça pouvait. Hein? On m'a validé. Ça veut quoi? On arrive. Chacun a ses problèmes, mon père. Voilà, mesdames et messieurs, si elle est encore vivante, ça pouvait être pur que ça. Un petit mot pour ton public. Bonsoir tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rebonsoir. Je suis très très contente. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Mais nous sommes chargés des affaires de Chantou pour se créer. Je suis dans l'émotion. L'émotion peut seulement me renverser. Vous savez pourquoi je suis dans l'émotion? Quand je vous vois tous heureux comme ça, mes enfants, mon cœur peut seulement se déchirer. Ça veut dire que vous vous portez très, très bien. Je n'ai pas grand-chose à vous dire ce soir. Tout ce que je peux vous dire, c'est rester une seule personne, car l'union fait la force. Et pour dire aux humoristes que moi, je soutiens l'humour, je soutiens l'art du Cameroun. Est-ce que vous me suiviez? Laissez passer le ministre chargé des affaires de Brenda. Si vous avez les pommes de monnaie, j'ai déjà la monnaie sur place. Ne riez pas, la première dame a le sang à l'œil. Les gens ont dit que mon mari ne veut pas faire la campagne parce qu'il n'a pas l'argent. Je veux l'aider. Comment ça va? Est-ce ministre de la culture, ministre de l'éducation de base. Mais où sont les hommes? On est chassé à jouer. Laissez passer. Oh, c'est même ça que j'attendais. Comment ça va, ministre des Finances? Mais il faut faire très attention, mon fils. C'est impossible.
c'est très délicat. Mon mari est sans sentiment, vos opérations ne perviennent. Comment ça va? Ministre des enfants, pour se créer. Ministre chargé des affaires des juniors, pour se confirmer. Mais comment ça va? Ministre des sports et l'éducation physique 2019 t'attend, hein? Il faut que le terrain là. Ministre de Nangamoko, pour se confirmer. Ministre des Affaires étrangères, pour se confirmer. Ministre de la Sapologie, pour se confirmer. Comment ça va? Oh, ministre de la. Mais je n'ai pas encore vu le ministre de la Santé, sont de quel côté? Ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, pour se confirmer. Mais si je comprends bien, ce sont les opposants qui sont de ce côté. Va me prendre. Va prendre là-bas. Ministre de l'enseignement secondaire. Comment ça va? Ça va bien? Ça, c'est l'ami personnel de mon mari. Je vous verrai personnellement. Voilà, ambassadeur du Cameroun en France, je vous suis dit, comment ça va? Oh, voilà le Igwe qui arrive. Comment ça va? Ça va bien? Merci, je vous verrai personnellement. Le Cameroun se porte bien. Yako, pourquoi tu m'as pas dit d'apporter le sac? Je n'ai pas su. S'il vous plaît, faites le rang comme à l'entrée pour acheter les tickets. C'est... Tout ça va partir. Yon Koumina Zabi va faire là. Ambassadeur du Cameroun en Chine, comment ça va? L'ami intime de la première dame, je vous verrai personnellement. Madame Chantou? Attends d'abord, je prends. Toi, tu me déranges. Comment ça? Toi, tu Les Congolais font même cohésion au Cameroun. Est-ce qu'ils vivent ensemble avec le Cameroun? Le Cameroun, c'est avec le Cameroun. Ils vivent ensemble, n'est pas avec les Congolais. Je vous verrai personnellement. Jouez sur le temps. Voilà. Oh, voilà. Oh, ça va bien. S'il vous plaît, l'abondance n'a pas nuit. Allez-y, on fait de l'embouteillage ici. Mais pas que le baloglia. Comment ça va? Je vous verrai personnellement. Mon côté à côté. C'est quoi? C'est le dernier. Allez, ça mouffe. Ça veut dire que tu vas mourir demain. En chantant la qualité, c'est aussi pas mal à côté. Moi, je veux vivre longtemps. Hey, c'est quoi ça? C'est ta vie? C'est quoi ça? C'est la vie? Il dit, oh, arrête ça. Je n'accepte pas ça. Vous êtes normal? Hein? Les chansons aussi. On chante ça quand on porte les coups pour mettre sur la bâche. Bon, ok. Attends. Enlevez mon nom sur votre skate là. Moi, je veux vivre. Ton prénom. Prenez, vous faites à deux. Mon côté. Aïe, il met toujours. Allez, vous êtes malade. Tu es fou? Oh. Tu n'aimes? Tu te caca comme les filons, on te filme. Yes. Tu n'aimes? Oh, moi-même, je vais casser mon pied. Oh. Moi-même, je vais casser mon beau. Prends ça, tu frappes ici. Frappe ça ici. Merde. Casse le pied là, casse ça. Casse. Voilà, j'en casse. Vois-moi les vampires. Tu es malade. Hé hé. Merde. Vous n'êtes pas sûr que c'est le modèle? Finissez. La Gabonaise a dit que vous finissez, vous asseyez, coiffe. La Gabonaise a dit que vous finissez, vous asseyez, coiffe. Avec le docteur Lemakuna.
Le docteur Le Makouma, oh là là, et Boris Cheche. Merci doc, c'est la magie. Voilà, super. Donc tu es venu avec les gars, hein? Les gars sont inspirés. Je donne ma part. Ce que j'ai créé là, tu savais ce qu'on avait fait aux répétitions. Dès que tu finis, tu connais, on va causer. Je ne vais pas demander à quelqu'un de casser ton pied. Ou on casse ma part ici. D'ailleurs, moi-même, on m'a déjà eu. Fini, tu n'as pas vu tout de l'air. Vous venez créer le modèle de scroquerie ici dans le pays. Nous tous, on est dans le modèle là. Yes. Personne n'a commencé qui ne voit pas. Quand le continent est tombé sur sa voiture, elle dit que ma voiture était la RAF 4. Ma voiture était la RAF 4. Nous tous, on va voir dans le pays. Mesdames et messieurs, applaudissez pour la solidarité des Camerounais. Je suis très content. Hein? Voilà. Les gens qui n'ont pas donné le Shabbat. Non, vous avez déjà donné avec, dans le cœur, les gars, dans le cœur. Merci, Angela, merci. Merci pour l'opportunité. Madame Toa, merci. Merci beaucoup. Merci, mille fois merci. Merci, merci beaucoup à vous tous. Attendez. La Gabonaise a dit qu'elle va conclure, c'est comment? Ah oui. Il n'y a plus quelqu'un. C'est le dernier bien. Voilà, ça va, non? Il y a encore quelqu'un? Bien. Donne, donne, donne. Montre un peu. Voilà. Ça va, non? Jacob. Bon, alors, mesdames et messieurs. Si j'invitais la Gabonaise avec un acapella. Non, laisse. Ne crée pas quelque chose que tu ne peux pas gérer. Elle a dit ça dans son cœur. Tu n'es pas au voilà. Ne la forcez pas. Un mot pour ton public. Ne tente pas de dire que l'émotion, ce que tu vas rembourser. Il n'y a pas l'émotion aussi. Ce que tu rembourses seulement, l'émotion de quoi? Émotion, tu as les dents, les dos, les gens, tu dis émotion.